Salut. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important au niveau de la trottinette, donc de machine ou tout terrain, pardon. C'est les plateformes. Donc, il y a diverses plateformes qui existent en termes de forme, de hauteur, de matériaux. Donc, c'est pas facile de s'y retrouver et surtout, c'est vraiment un des éléments clés de la canicross trottinette. Donc, on va séparer un petit peu chaque point à avoir sur la plateforme en elle-même, en sachant qu'il y a une plateforme par modèle de trottinette quasiment. Donc voilà, ça va être difficile de parler de toutes les trottinettes et de toutes les plateformes, mais on va en aborder quelques-unes. Donc, premier point à avoir, on va parler déjà d'accroche. Voilà, l'accroche, c'est un sujet qui est assez essentiel, puisque si vous glissez en trottinette, c'est d'un point de vue sécurité, c'est important. Donc, toutes les trottinettes quasiment ont des plateformes maintenant plutôt accrocheuses, à condition que parfois on ajoute quelques petits éléments. Donc, au niveau de la forme des plateformes par rapport à l'accroche, vous allez avoir donc des plateformes qui sont pleines. Donc, les marques qui font les plateformes pleines, vous avez Gravity, avec les grandes plateformes plaque inox et grip de skate. Vous avez Cruisis, Cobra, Cross, etc. Plateforme monobloc en aluminium sur laquelle on va ajouter du grip de skate. Vous avez Bulla, les modèles de compétition vraiment racing, les plus haut de gamme, avec une plateforme pleine qui permettent aussi d'avoir le pied bien à plat, mais là aussi il faut rajouter du grip, parce que si vous mettez votre pied mouillé sur une plateforme qui est pleine, vous n'allez pas avoir d'adhérence. Donc obligatoire, mettre un petit grip de skate. Ensuite, vous avez une autre version, c'est la version assez standard qu'on voit depuis beaucoup d'années dans le mushing avec Overland, Traxxer, même Bulla hein, ou d'autres marques. Vous avez donc deux tubes et ensuite vous avez des petits segments qui sont crantés à l'intérieur, soudés, qui permettent en fait d'avoir un espace pour laisser passer de la boue et d'avoir un peu d'accroche. Alors je dis un peu parce que vous avez des crans, mais ça reste quand même contact chaussure aluminium. Donc moi c'est pas mon accroche préférée. Et ensuite vous avez par exemple des marques comme Kostka qui vous proposent du tubulaire, donc une plateforme avec des tubes. Là vous êtes à jouer. Vous avez des petites vis rivetées qui font de l'accroche, des petites aussi parties en inox crantées qui se rajoutent dessus. Ça suffit largement et vous avez même la possibilité de rajouter du grip si vous en voulez un peu plus. Et l'avantage, c'est que comme les plateformes ajourées, ben, ça ne recharge pas en boue. Voilà, puisque le défaut des plateformes qui sont pleines, c'est que si vous marchez dans la boue et dans l'argile que vous avez sous la chaussure, vous la ramenez sur la plateforme, ça fait du pâté et ça peut quand même glisser. Voilà pour l'accroche des plateformes. Ensuite, on va parler dimension. Donc ça, c'est aussi un point qui est important et ça, c'est souvent sous-estimé. Quand on me le demande, on pose rarement la question de savoir la longueur ou la largeur d'une plateforme. Et pourtant, ça va définir la position de vos pieds. Donc la plupart des plateformes qu'on trouve dans le commerce, en compétition, elles sont étroites et longues. Et sur du loisir, on va être plus large. Alors pourquoi cette différence? C'est que souvent, sur une trottinette de course, on va vouloir avoir une plateforme qui est plus basse, donc elle ne peut pas être trop large parce que sinon on frotte vraiment partout dès qu'on va angler la trottinette pour prendre un virage. Donc en compétition, elles sont étroites, mais on retrouve aussi en loisir des plateformes étroites. C'est pas gênant, notamment chez Gravity ou chez Koska, vous pouvez aussi avoir des plateformes étroites. Le truc, c'est qu'une plateforme qui est étroite, vous allez positionner vos pieds en mode surfeur. Il peut y avoir un pied qui est droit et l'autre qui est légèrement en oblique, mais c'est là où vous allez avoir la meilleure position. Voilà. Si vous êtes en monoski, c'est-à-dire les deux pieds joints, en termes d'équilibre avant-arrière, vous allez de suite voir que vous n'avez pas le même équilibre. Donc la plateforme large, pour moi, c'est une utilité que pour ne pas calculer où on va aller mettre son pied quand on pousse, etc. Donc c'est vrai qu'en loisir, sur les plateformes un peu larges comme les Koska, Machining Max, etc., c'est génial, parce que vous avez de la longueur, vous avez de la largeur. Ben là, vous embêtez pas, vous allez toujours pouvoir positionner votre pied sur une plateforme étroite. Quand vous courez et que vous remontez sur la trottinette, il ne faut pas vous louper. C'est un petit peu ça la différence. Et ce qu'il faut éviter pour moi, c'est les plateformes qui sont trop courtes. Parce que si elle est trop courte, vous êtes contraint d'être en mode surfeur. Notamment ben, Globe, Roverland,
sauf si vous chaussez du 35 ou du 36. Voilà, parce que ça aussi, hein, en fonction de votre taille de pied, vous êtes plus ou moins embêté. Mais là, vous êtes contraint d'être en monoski, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, cette largeur et cette longueur. Donc vérifiez ça quand vous voulez faire un achat, que ça va correspondre à ce que vous recherchez. Au-delà de ça, vous avez aussi, et c'est le plus important et la plus grande question qu'on me pose à chaque fois, c'est quelle hauteur? Parce que moi, je veux passer au-dessus des cailloux, je veux passer au-dessus des racines, je veux pas que ça touche. Bon, ça déjà, c'est une illusion en tout terrain. Quoi qu'il arrive, il y a un moment où vous allez toucher. Donc, après, touchez beaucoup, touchez pas beaucoup, etc. Ça va être défini par la hauteur. Donc en gros, les plateformes, ça va aller de 18 cm en hauteur chez Globe, donc c'est énorme, mais à la base, c'est fait pour faire de la descente, et il n'y a pas besoin de pousser, puisque vous êtes en descente, vous avez de la vitesse. Et jusqu'à à peu près 5-6 cm sur les trottes de route et les trottes de compétition en mushing, puisque là, on va les favoriser la poussée, pour éviter d'avoir trop de flexion sur la jambe qui reste sur la plateforme. Et quand vous allez chercher loin au niveau de la poussée et que vous êtes en fente, ben, si vous êtes trop haut, ben, le geste est beaucoup plus dur. Donc pour favoriser la poussée, on va aller chercher bas. Pour favoriser la stabilité, idem. Plus vous êtes bas, plus la trottinette est stable. Et maintenant, le compromis, c'est avec le terrain. Si vous êtes sur des terrains qui sont hyper cailloux, ben, faites comme moi. Prenez une trottinette qui est un peu mixte, qui ne soit pas trop basse ni trop haute. Si vous êtes sur un terrain qui est très plat, on va dire piste forestière, piste cyclable, etc., vous pouvez être très bas, c'est pas gênant. Voilà, la seule chose, c'est que pensez que quand la plateforme est basse, quand vous êtes dans des dévers en tout terrain, ça se réduit encore. Donc quand vous allez prendre un virage en courbe, et si vous avez des racines, vous risquez de taper et de vous décaler et de pouvoir éventuellement glisser. Donc là encore, c'est un apprentissage. Quand vous avez choisi votre trottinette, il faut savoir ce que vous pouvez faire avec. Donc si vous avez une trottinette avec une plateforme plate, basse, de type compétition comme chez Bula ou même les Cosca Trip qui n'ont pas les plateformes les plus hautes, quand vous allez prendre de l'angle, faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de racines pour pouvoir passer correctement. Et ça, c'est pas grave en fait. Donc le tout, c'est d'avoir un équilibre dans ce choix de plateforme entre l'accroche, la hauteur de plateforme et le positionnement des pieds. Avec ça, vous pourrez sélectionner les modèles qui vous conviennent. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vous parler des plateformes justement par marque et vous dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas sur les modèles que nous distribuons chez Canem Victoria, puisqu'on distribue quasiment l'intégralité du catalogue qu'on peut trouver sur les trottinettes tout-terrain et mushing. Alors, on va parler pour moi de la pire par rapport à mon activité. Donc, c'est la plateforme de chez Globe qui est pour moi trop haute. La barre transversale au milieu qui vous oblige à mettre un pied à gauche, un pied à droite. C'est-à-dire que quand vous allez pied à gauche, vous poussez avec le pied à droite, vous êtes très loin sur le bord gauche. Donc en termes de stabilité, c'est pas génial. En termes de poussée, vous êtes obligé d'écarter la jambe. Donc en poussée, je dirais un zéro. Par contre, vous avez des chiens puissants ou un attelage complet, vous faites un peu de descente. Feu, si vous ne poussez pas, la Globe, très bien. Ensuite, vous avez les plateformes de kickbike. Kickbike, ce que j'aime pas trop, c'est la tôle emboutie. Le fait qu'elle soit assez courte, pour moi, il n'y a pas assez d'espace. Il faut rajouter du grip. Donc, c'est pas les plateformes que j'aime bien non plus. Et puis, elles ont aussi pas mal d'angles. Donc voilà, pour moi, voilà, je la placerai en deuxième position dans mes plateformes que j'aime le moins. Ensuite, on va aller sur les plateformes Cruzis. Donc, Cruzis, vous avez Cobra, Cross. On est sur une plateforme en aluminium, en monobloc, rigide. Elle est super belle. Par contre, elle n'a pas de grip. Donc, il faut absolument ajouter le grip. Soit les deux petites bandes qu'on vend, qui sont de manière classique et qui font le job, ou soit carrément acheter un grip de skate et le couvrir complètement. Là, c'est à vous de voir. Donc, si vous êtes chez Cruzis, voilà, vous avez une plateforme qui peut être efficace à condition qu'elle soit préparée pour. Elle est assez étroite, elle est assez longue, donc au niveau positionnement des pieds en mode surfeur, tout ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a les plateformes de chez Roverland. Alors pourquoi je mets Roverland aussi dans mes plateformes moyennement aimées?
c'est que elle est trop courte. Voilà. Le côté ajouré, pour moi, c'est pas l'accroche est pas au mieux. Et puis au niveau des pieds, je chose du 43, c'est pas énorme, mais je n'arrive pas à me positionner en mode surfeur, donc je suis toujours en monoski, ce qui est pas favorise pas l'équilibre, comme on a déjà parlé tout à l'heure, et me permet pas de pousser comme il faut sur la trottinette lors des grandes courbes pour avoir de l'adhérence. Donc j'ai longtemps pratiqué avec la Roverland l'an dernier, mais ça m'a trop gêné à terme. Donc voilà, pour mon style, la Roverland, je dirais que c'est pas top. Et dans le même lot, on va mettre les Bulla standard, les Traxxer, etc. où vous avez le même système de pads ajourés qui là cette fois-ci est un peu plus long mais plus étroit. Voilà, donc là qui est un peu mieux quand même que pour moi que sur la Roverland. Maintenant en termes de budget, voilà, on explose les budgets et en termes de fiabilité, on n'est pas non plus sur la fiabilité d'une Roverland. Donc ça c'est à voir, mais c'est au-delà de l'aspect plateforme. Qu'est-ce qu'on a comme autre plateforme? Bah après, c'est mes deux préférés. En numéro 2, je dirais la plateforme de la Gravity Pool Care. C'est celle que j'utilise moi en compétition. Parce qu'on est sur des courses où il y a beaucoup de cailloux souvent. Et donc j'aime bien la plateforme de la Gravity Pool Care pour ça. Et puis elle est très longue. Elle permet justement de se positionner comme il faut au niveau des pieds. Et avec le grip de skate, on a une très bonne accroche. Par contre, c'est vrai que si je vais aller dans l'argile, ben je ferai attention à ma poussée et j'éviterai de courir dans un endroit où je vais charger les chaussures. Donc là encore une fois, c'est une histoire d'adaptation, mais en termes de qualité de plateforme, pour moi c'est très bien. Et mes plateformes préférées, ce sont chez Koska. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, pour moi, elles ont tout ce qu'il faut pour une plateforme de trottinette tout terrain. Elles sont ajourées, puisqu'on est sur une série de tubes. En fonction du modèle compétition ou standard, vous avez plus ou moins large au niveau de la plateforme. Donc en compétition, elle va être plus étroite. Comme je vous ai expliqué exactement tout à l'heure, c'est parce que elle est un peu plus basse la plateforme et qu'il ne faut pas qu'elle soit trop large, sinon vous allez frotter dans les courbes. Et là, sur les tubes, vous avez ces plaques en inox, ces petits rivets, etc., qui font qu'il y a une super accroche. Donc super accroche, beaucoup de place pour positionner les pieds. Pour moi, plateforme au top chez Koska. Voilà, donc je vous ai fait la déballe autour de tout ce qui est plateforme de trottinette. Maintenant, à vous de voir en fonction de votre taille, votre pilotage, le lieu où vous allez pratiquer vos chiens, si vous voulez pousser, pas pousser, si vous allez faire la compétition, ben, de sélectionner tout ça, de faire le tri et de dire voilà, je sélectionne plutôt Koska ou plutôt Gravity ou plutôt Cruisis pour ces qualités-là de plateforme, parce que la plateforme, ça reste le plus important. Et ensuite, vous allez voir la taille des roues, la géométrie, d'autres choses qu'on verra plus tard. Allez, salut pour une prochaine vidéo. Thank you.